From Jane Goyer, please sit down. Ông chủ nhiệm đại học cả, một tổ đồng nai cả, nịt tệ thị xã đồng nai cả, anh rẻ, một tí không khang nòm, chụp chụp chào từ căn, tộc điền cái chỗ xây. Chơi mới riêng chụp chụp chào cọc chờ nơi thay ní ông chấm rẻ ban tự tu lịch khất rồi bỏ mê tử vi cà phê khất đấy lục ca sử vút nâng lục phong sơ rú ban phơi lịch khất một ông chấm rẻ sẽ là tập bốn đời sùng đã mì tử vi lục sợi Marie Paul Caniza xâm rạp chùm nua ôi lục mì tử vi Prong Sua Rú nơi khăn ông Cà Lạ Thế Sạc đài lục mì tử vi Ả Vọt Tử Mên ta chùm chọc chào tự tù dù lùm nơi cách chấm nạc ca này thì sạm nạc ca đại miền ca chấm nua đặc biệt này tí không tốt tuôn rồi anh cứ chờ chia cách mình to đời anh là long tam bị thiên mà phê bấm bấm nay bị thiên tây khăn ông nhầm ra là tập bóng xong mình chơi mình tập vi cà phê khất đấy chuyển tập trao mình tập vi chiết là người thuê tại đây sau sống tập tu score mình tập vi bỏ được tê đại lục ban sau là ông mình mini hay đại mình toàn ban tập tu score cả lòng mộc xong mình chơi lục mình tập vi cà rượu vút xong group lục bị thiên nâng sau nâng lục chạy cầm chiết nâng chạy cầm ăn rạ chiết nhóm chi mê thì vi chiết sau ăn nhạt lục bờ thiên nâng lục chạy cầm chiết nâng chạy cầm ăn rạ chiết mê ta tổ tu squal lục sợi Maripol cani zares đại chi sa ma chức cần nặng mê thì vì nơi thì còn mong bồi dê bà tê bà răng gọt bàn bật nơi cần nặng mê thì vì nơi bà rà rì chia này chạy Campuchia nơi chúng buộc múc bà rì nhà xa là tố cá bị thang ngay tì bà mùi khai mê xa chân năm bì bọn bà mùn hẹt ní xông lục bà thiên đôi chì lục chạy cọm chiết nâng chạy cọm ơn tạ chiết mê ta tổ tù xoal lục sợi Maripol Canizares chia giả hạng mê thị vi cà phía ao chú mô căng gây yêu hạ đối chấp đi bên ní tờ tư xôm ọ cun chú anh cực chó mê thị vi Maripol Caniza mê thị vi Maripol Caniza ao nhầm rẻ sẽ là tập bốn tập tu squal lục thầy thuê chia mê thị vi cà phía cà đây ao chú đập cháu xong rạp của bầm nong này cái chậm đa ca này tệ vị thi này chụp buông mốc ông dùng ra là tập bông
đời dùng tam cả tổ sư con đi lục miền sứt năng bộ sứt đôi khi năng mệt vì chết đài chấp pin để tổ tử xong cứ cho chỉ cách bản to ông Sabanaka đam phước cả Sabanaka sẽ đập chấm lời sẽ xây một phòng xoa bị dồ một tay tôi là cái chặt cả anh chưa sẽ xây rụm đi cho một căn một tục Sabanaka Thank you, Mr. President. Can I ask a clarification? Is this the intention of the trial chamber to have the witnesses testify beside the accused in all cases? Or should not more appropriately the accused be sitting behind his counsel? Can I ask clarification? Con lục xã về nhà mình nghĩ rằng mình cách nhận thức thì mũi đây từ sự quật ông pi sét này cả từ tuần nơi mình từ vi robot quật hay con là cả làm lực này đại sa mình chỉ cố ca thế vấn đề đại sa chỉ cách đại thời thời vẫn toàn đấy chẳng cứ cả rẹp một tí khủng kháng cứ ai nòm quật tư căn cái này chuẩn dập cho đại bằng rộng tốt nơi cơ mê tử vi bà quật bình. Lục phong xoa bí dố nơi sạm nạc ca nơi bên này ông nhầm rẻ anh chơi lục một đo giặc khay cắm ông bì ở vây đài lục bản đăng bản lưu bản khơi bịa quần cho mùi nâng ông hẹt mô đọc bấy đài miên thị tăng thật nơi ôm léng khùm ôm léng ស្រុកត្បូងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 71ហើយជាដំបូងនេះអង្គជំរះសូមសួរទៅលោកថាតើលោកឈ្មោះហ្វ្រង់សួបីសូដូចនេះមែនទេ Je m'appelle François Bizot. Je suis par l'école française d'Extrême-Orient. Et je peux commencer ma déposition tout de suite, monsieur le juge. Ông chủ mình chấp đam xua sầm nua tại phần màn tiếp bẹp phòn cho mùi nâng bị nứt ăn tạo thành nhán xạ xây được cho nên xong lục đập sầm nua rồi bỏ nhóm đâm bay bàn dùl bị ăn tạo thành nhán đi sầm nua bật top nhóm xua tha ta lục miền ảy dụ phần màn cho năm hơi J'ai 69 ans. Nhóm ảy dụ Ta lục miền sân chiết ở vầy đáy. Je suis de nationalité française. Khiom sân chiết bà ràng. Lục miền ti lùm nơi bà chạy bọn nơi ai ná.
Actuellement, je réside à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Je suis chercheur et enseignant, membre de l'école française d'Extrême-Orient. ហើយជាសមាជិកនៃសាលាបារាំងមួយយោងតាមរបាយការណ៍របស់កឡាមជីថាលោកហ្វ្រង់ស័របីសូមិនមានចំណងជាញាតិលោហិតញាតិពន្ធឬក៏សហព័ន្ធជាមួយភាគីក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះពិតមែនទេ En effet, je n'ai aucun lien de parenté avec les noms, la liste des noms que j'ai pu dire. Je suis tout à fait d'accord. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. លោកហ្វ្រង់ស័របីសូតើលោកពិតជាត្រូវបានកងទ័ពខ្មែរក្រហមចាប់លោកនៅវត្តអូនៅឧដុង្គនិងនាំខ្លួនលោកយកទៅឃុំឃាំងនៅមន្ទីរសន្តិសុខម៉ោត 13ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅអមលាំងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1914ពិតមែនដែរឬទេ? លោកហ្វ្រង់ស័របីសូតើលោកអាចនិទានរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលលោកបានឃើញបានដឹងឮនៅមន្ទីរម.13ដែលមានទីតាំងស្ថិតដូចយើងបានជម្រាបខាងលើក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននាំយកទៅឃុំឃាំងនៅទីនោះរហូតដល់ពេលលោកត្រូវដោះលែងនិងបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលនោះ Avec plaisir, monsieur le juge. Je souhaiterais néanmoins commencer ma déposition d'une certaine manière par un petit épisode final de ma détention au camp de N13. À la veille de ma libération, de N13, le 24 décembre 1971, je fus autorisé par Douyt, par l'accusé, à offrir un repas d'adieu à mes congénères, attachés aux tringles l'un contre l'autre. Leur apportant moi-même les récipients de soupe au poulet qui avaient été composés sur la base de l'argent qui m'avait été confisqué au moment de mon arrestation, je me suis donc approché d'eux un à un. Pour ceux qui osèrent parler, ils me dirent: Veuille, mit Baran, somme comme oi plait yeux, camarade français, ne nous oublie pas, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est Douyt, l'accusé,
et c'est lui qui est derrière l'étreinte, si on peut dire. Qu'il me soit permis, en cette circonstance, d'évoquer la mémoire des prisonniers de M13, dont le souvenir ne me quitte plus. Et en particulier, de mes deux collaborateurs, Hock Lai et Hock Son, qui ont été exécutés dans un autre camp parce qu'ils avaient travaillé avec moi. C'est en leur nom à tous que je veux témoigner aujourd'hui. Cela étant, trois mois auparavant, j'ai été amené, dans le cadre de mes recherches sur le bouddhisme cambodgien, à aller dans la région d'Udong, ayant été chassé de la conservation d'Angkor et du parc d'Angkor où je résidais et où je travaillais par l'invasion nord-vietnamienne. J'ai poursuivi mon travail de recherche dans la région de Kandal, dans la province de Kandal. Le 10 octobre, je suis parti au nord d'Udong pour aller dans un monastère Wat O, qui était à proximité du village de Tuol Topi. J'étais venu en voiture, dans la voiture de service de la conservation d'Angkor, ou plutôt de l'école française d'Extrême-Orient, avec ma fille Hélène, qui était âgée de 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec deux collaborateurs, dont j'ai mentionné les noms, et accompagné de 2-3 personnes du village pour me montrer la route du monastère Wat O. Arrivé dans ce monastère, nous avons été reçus par le vénérable supérieur, et je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas du tout comme il était pensable que ça se passe, étant donné que le supérieur était très nerveux. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait eu une embuscade, soit qui m'avait étendu, soit que j'étais tombé malencontreusement sur une patrouille de miliciens. J'étais aussitôt appréhendé, mes deux collaborateurs ont été ligotés, les bras dans le dos. Moi, j'ai refusé comme ligote et j'ai été emmené à ma demande bien illusoire, mais j'ai demandé à rencontrer un responsable et j'ai été emmené au village de Tuol Topi. Nous sommes restés à peu près 2 heures. Au cours de ces 2 heures, j'ai été interrogé par un responsable qui m'a écouté, qui a écouté ce que j'avais à lui dire, et notamment que je venais dans ce monastère pour étudier les rituels du bouddhisme cambodgien. Et à la fin de ce que j'ai pu lui expliquer, il en a déduit que j'étais un agent de la CIA, et il me l'a dit. Mes essais ont été fouillés pour y découvrir peut-être un micro, ou je ne sais pas. Et ensuite, mes deux camarades ont été emmenés de leur côté. Moi-même, j'ai été ligoté et aussitôt emmené sur une piste de campagne. Sur laquelle j'ai poursuivi mon chemin avec 2 jeunes gardes dont un tenait le fusil. Nous avons passé la première nuit dans une sorte de sala à proximité d'un village. Et ensuite, le lendemain matin, je suis arrivé dans un village que je n'ai pas identifié, où j'ai retrouvé mes deux compagnons qui étaient eux-mêmes déjà dans une position où leurs jambes étaient bloqué par un knorr en bois, une sorte de système de 2 poutres avec un
une partie en 2001 qui permettait de mettre les chevilles. J'ai donc pris place dans la même position à côté d'eux. Quelque temps après, on est venu me chercher. J'ai été jugé par un tribunal qui était composé d'un Khmer Krom, c'était reconnaissable à son accent, et entouré de deux greffiers qui notaient ce que je disais. Et autour de ce tribunal populaire, il y avait une cinquantaine de villageois qui étaient derrière moi, sur les côtés. Mon interrogateur, qui était accoudé à un bureau sur une estrade, m'a dit qu'il me connaissait et qu'il m'avait déjà vu à Saïgon et que les valets de l'impérialisme américain avaient besoin de gens comme moi qui parlaient les langues et le Khmer pour payer, pour apporter l'argent aux combattants à la solde des Américains parce qu'ils n'avaient pas confiance en leurs soldats. J'ai évidemment nié cette accusation qui n'était pas vraisemblable, qui n'avait pas beaucoup de sens. J'ai dit, si c'est le cas, si vous en êtes sûr, alors tuez-moi tout de suite. Ce qui a fait provoquer les applaudissements des personnes qui se trouvaient derrière nous. Ensuite, vous me permettrez d'abréger un peu parce que le détail, je ne m'en souviens plus très bien. Mais la personne qui posait ces questions a dit qu'il y avait donc contradiction entre ce que Lanka savait et ce que moi je venais de répondre, et que par conséquent, je devais être considéré comme quelqu'un qui était dans la position d'un accusé de quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Sur le champ, j'ai été remis dans la position du Knorr à côté de mes deux compagnons. Un repas nous fut servi. Puis, après avoir entendu des clameurs autour de la maison qui disaient « Qu'attendez-vous pour le déshabiller et pour le tuer ?» Des Khmer Rouges sont montés, m'ont détaché, m'ont emmené, m'ont bandé les yeux. Et j'ai été conduit pour être exécuté. Je ne saurais jamais s'il s'agissait d'un simulacre d'exécution ou s'il s'agissait d'une exécution qui n'a pas été menée à son terme. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas été exécuté et j'ai été emmené sur un chemin qui devait me conduire le lendemain matin à M13 sans mes compagnons. Il s'avère que Lai et Son m'ont précédé ou sont arrivés peu de temps après moi, dans le même camp. Arrivé sur place, je n'ai pas eu tout de suite une vue d'ensemble du camp, mais j'étais accueilli par un responsable qui s'est montré immédiatement cynique et agressif et qui a donc donner les ordres nécessaires pour que ma cheville, une de mes chevilles, soit mise dans un étrier au bout d'une tringle à laquelle se trouvait déjà une quinzaine ou une dizaine de détenus. Ceux-ci m'ont fait de la place. Et j'étais évidemment effrayé, non seulement par le principe de la tâche, mais aussi par ma situation en bout de tringle. Ayant une
une ossature assez épaisse, ma cheville n'est pas entrée dans l'étrier. Et le responsable que j'avais déjà aperçu a donné des indications pour que l'on cherche un étrier qui me convienne. Là-dessus est arrivé un jeune homme. Lorsqu'il est arrivé, je n'ai pas remarqué tout de suite. Et j'étais en train de dire, pendant qu'on allait chercher cet étrier qui devait me convenir, que je souhaitais pouvoir me laver dans la rizière, étant donné que ça faisait 2 jours et 2 nuits que nous marchions, que j'avais marché sur une terre graisseuse qui était lavée par les pluies, et j'étais moi-même plein de boue. Et c'est en insistant sur le fait que je voulais prendre 5 minutes pour aller me laver un peu dans la rivière que le jeune homme que j'avais entreaperçu m'a dit: tu vas aller te laver? Enfin, je veux dire en Khmer. Il s'est avéré que j'ai donc pu tout de suite aller me laver et que j'ai compris que le responsable n'était pas une personne agressive que j'avais rencontrée tout de suite, mais qu'il avait au moins un supérieur qui avait la possibilité de contredire. Parce que, excusez-moi, monsieur le juge, j'avais oublié de dire que le responsable à qui je m'étais déjà adressé avait refusé totalement que je puisse aller me laver. Je suis donc allé me laver et en revenant, étant donné que le problème de mes étriers n'avait pas été réglé, le jeune homme qui m'avait autorisé à me laver a donné des indications pour que l'on me conduise à un endroit séparé, en dehors des 3 baraques dans lesquelles se trouvaient des prisonniers, peut-être une quarantaine, entre 40 et 50. Et j'ai été donc conduit sous une sorte d'auvent en bambou qui était destiné à recevoir les sacs de riz que les villages, à proximité du camp amenaient toutes les semaines sur une charrette. Le bafflant qui était donc construit sous cet auvent était destiné à recevoir les sacs de riz. Et il était, effectivement, l'endroit était occupé par les 3 sacs de riz qui s'y trouvaient déjà. Mon pied a été enchaîné à un des minces piliers de bambou qui soutenaient cet auvent. Et je me souviens que la pluie s'était mise à tomber et que je suis resté un petit bout de temps comme ça, sous la pluie. Le soir est arrivé et un repas me fut servi par un jeune gardien qui est venu en sautant vers moi, entre les flaques d'eau et sous la pluie. Et ça a été ma première nuit dans le camp. Je me suis vite endormi. Et le lendemain, j'ai fait plus ample connaissance avec donc celui que j'avais déjà perçu comme le responsable du camp, et j'avais obtenu des gardiens de savoir qu'il s'appelait Doi, puisque eux-mêmes parlaient de lui en l'appelant Doi. Assez rapidement, il a pris la décision de mener lui-même les interrogatoires qui allaient commencer. Et il m'a dit qu'il y avait des charges contre moi qui étaient très graves. Et j'ai eu à écrire ma première déclaration d'innocence. J'ai écrit un certain nombre de déclarations d'innocence sur des feuilles qu'il me fournissait lui-même, avec beaucoup d'émotion, parce que je pensais que ça faisait partie des choses que je laisserais derrière moi et probablement des dernières choses que je pourrais laisser derrière moi.
très vite, l'ambiance du camp apparaissait comme un camp où l'on ne pouvait pas se sentir vivant. Les jeunes gardiens dont mon existence quotidienne dépendait à chaque instant, à travers leur puérilité, la puérilité de leur âge et aussi leur côté pervers, parler entre eux, il était assez facile de reconnaître, de savoir, de comprendre de quoi il s'agissait et ce que je devais attendre comme mes congénères. Cela étant, les interrogatoires quotidiens continuaient entre le responsable et moi. Il avait 27 ans et j'en avais 30. Et me posant des questions, toujours avec une certaine habileté, je dois dire, j'ai été amené moi-même, dans la colère permanente qui m'animait, d'être pris pour ce que je n'étais pas, dans cette injustice qui faisait que j'étais pris pour un espion de la CIA, alors que ces choses-là étaient bien loin de mon esprit. Je suis amené à me rebeller d'une certaine manière en répondant à ces questions et à lui poser des questions en retour. Mais ceci a duré des semaines et des semaines. Il est bien évident qu'à ce rythme-là, une certaine habitude fut prise entre nous qui n'a pas été sans tisser des liens d'une relation régulière. D'où devait, si je me souviens bien, au moins toutes les semaines, rendre compte des rapports, on le voyait écrire, très tard le soir, très tôt le matin. Sa réputation était celle d'un travailleur infatigable qui parlait peu, très investi dans ses responsabilités de chef de corps. Les interrogatoires me concernant se sont toujours déroulés de manière polie et je n'ai jamais été battu. Je pense que Doud avait considéré que si j'étais un agent de la CIA ou non, dans tous les cas, la meilleure façon d'obtenir de moi la vérité ne serait probablement pas de me battre, mais d'engager une discussion avec moi. Et le moyen de me percer fut de me poser des questions sur mon travail, sur mon travail à la conservation d'Angkor, sur le bouddhisme cambodgien qu'il connaissait moins bien que moi, et j'étais sollicité par lui de donner le maximum de précision dans un but, me semble-t-il, de vérifier si j'avais effectivement le profil d'un chercheur ou les compétences auxquelles je me référais pour prétendre être un chercheur qui travaillait sur l'histoire, sur les inscriptions et sur les manuscrits du bouddhisme cambodgien. J'ai demandé à Doud de pouvoir bénéficier d'un cahier qu'il m'a ramené un jour avec un bic et une lame de rasoir. J'avais très envie de pouvoir me raser. Ce cahier, monsieur le juge, je l'ai conservé. Je peux peut-être en montrer tout de suite la couverture.
Je souhaitais seulement montrer cette pièce qui a donc été apportée par d'autres, que j'ai écrite. C'est ce cahier que j'ai écrit, repris. J'y ai consigné quelques souvenirs d'enfance. J'ai écrit quelques poèmes. J'ai tenté d'établir une problématique capable d'être persuasive. Concernant mes recherches sur le bouddhisme, de montrer que j'étais effectivement un chercheur. Et quand plus tard, il s'est avéré que j'allais être libéré, Bouddha m'a demandé à qui j'avais demandé si c'était possible que je garde ce cahier avec moi. M'a dit qu'il allait le lire et qu'il en déciderait lui-même. Et il a lu le cahier, je pense, avec beaucoup de soin. Il m'a posé quelques questions et entre-temps, il l'avait aussi regardé et il me l'a rendu. Mais donc, il est toujours là. Je veux dire d'ailleurs que ce cahier que j'ai donc ramené avec moi, je ne l'ai moi-même jamais relu. Bouddha revenait, comme je l'ai dit, au moins une fois par semaine, du village, de l'endroit où il semblait devoir aller. Il était frappant de voir à quel point Bouddha était en mauvaise santé. Comme la plupart d'entre nous, je n'ose pas dire d'entre nous parce que le hasard a voulu que je ne sois absolument pas malade, au point même que j'en étais gêné, que quand on me posait des questions sur l'état de ma santé, je m'inventais quelques mots de tête pour ne pas créer de jalousie. C'était le mois d'octobre, novembre, décembre. Comme vous savez, monsieur le juge, c'est le moment du paludisme. Et les ravages du paludisme dans le camp ont fait de nombreux morts. Et ceux qui ne mouraient pas, à cause de cela, étaient dans un grand état de fatigue. Et un jour, Bouddha m'a dit qu'il partirait le lendemain et qu'il aurait peut-être de bonnes nouvelles à me communiquer. J'étais donc dans une grande impatience qu'il revienne le lendemain. Et c'est à la suite de ce retour qu'il a été en mesure de me faire savoir que je pourrais retrouver ma famille. Quand j'ai appris cette nouvelle, à laquelle je n'ai pas cru, il faut savoir que ce juge que rien n'était dit, le mensonge
était l'oxygène que nous respirions et que nous expulsions de notre poitrine. Le mensonge était présent, aussi bien quand on disait à quelqu'un qu'il allait, quand on conduisait quelqu'un à la mort, on ne le lui disait jamais. Cette promesse de liberté, j'avais bien du mal à la croire, étant donné que, comme je l'avais fait remarquer, je ne pourrais jamais apporter de preuve de ma non-culpabilité et que lui-même n'en aurait jamais sur ma culpabilité. Et ça, j'étais au moins le seul à le croire. Cela étant, l'espoir ne quitte jamais le prisonnier. Et en même temps, j'avais déjà compris que ma vie dépendait, mon existence était entre ses mains, pas seulement la mienne. Donc quand il m'a dit que j'allais être libéré, c'était une nouvelle que je n'ai pas reçue avec la joie qu'on pourrait escompter, mais ma réponse, mon attitude était de dire, alors prouve-le, enlève-moi mes chaînes. Ces chaînes qui étaient si pénibles. Il a donné les indications sur le champ aux jeunes gardiens, comment enlever mes chaînes. J'ai dit, dans ces conditions, si je suis innocent, si je suis libéré, je suis innocent. Et si je suis innocent, les deux Khmers qui sont avec moi le sont aussi. Alors libérez-les. Bouddh a donné des indications aux jeunes gardes pour que les deux compagnons soient détachés. Je les ai retrouvés donc après 3 mois. Inutile de vous dire l'importance de ce moment de retrouvailles que nous n'avons pas du tout manifesté, mais on s'est revus. En parlant peu, mais on s'est revus sur le champ. Cela commençait à être, pour moi, une raison plus forte d'espérer. Pour Lai et pour Son, certainement pas. Eux considéraient que c'était une manière de faire avaler la pilule. Et pas un d'entre eux, pas un de mes co-détenus, n'a cru en me voyant partir que je serais libéré. Tous ont pensé secrètement que le chemin que j'allais prendre, qu'on allait me faire prendre, était aussi le chemin que mes prédécesseurs avaient suivi. Je devais donc être libéré pour le jour de Noël. Pour l'histoire stupide de vélo qui avait été emprunté par un jeune gardien et qui n'avait pas ramené le vélo à temps, ma libération fut reportée au lendemain. Évidemment, ce décalage par rapport au programme prévu m'a mis dans une grande confusion. Mais quoi qu'il en soit, c'était le soir de Noël. Ce fut l'occasion, puisque j'étais libre, de passer ma première nuit sans chaîne, mais aussi de mieux connaître, ou de connaître, disons, avec un regard différent, ou de voir différemment quelqu'un qui allait aussi avoir une attitude différente avec moi, puisque j'étais dans une situation si presque, non plus intermédiaire même, puisque j'étais en voie de libération. Et autour d'un feu qui était, que souvent les gardiens allumaient le soir, parce qu'il faisait froid, et je dois dire que le froid à cette période de l'année dans la forêt des Cardamomes était particulièrement vif, et les nuits glaciales, et que j'ai bénéficié au moment, au cours des nuits les plus difficiles, d'une bûche que les gardiens m'apportaient pour que le sol sur lequel je dormais soit moins froid.
Donc, nous nous sommes... Je me suis approché du feu où il devait se trouver, j'oublie les détails, et ce fut l'occasion de parler. On a parlé plus librement de nos familles. Mes doutes, autant que je le sache, n'en avait pas, en dehors de ses parents. Je veux dire, il n'était pas lui-même chef de famille, il n'avait pas d'enfant. Mes doutes étaient aussi attentifs à savoir ce qu'était devenue Hélène, ma petite fille qui m'avait accompagné dans la voiture et qui était restée au village, à côté, au dernier village, à côté du monastère de Vautreau, et qui était resté avec une des jeunes filles qui l'accompagnait, qui nous accompagnait au village, à jouer avec les enfants. Et j'avoue que cette circonstance a été à l'origine de toutes les des souffrances constantes que j'ai eues pendant toute ma détention, pour ne pas savoir où elle pouvait se trouver et ce qu'elle était devenue. Il a essayé de me rassurer sur ce point. Et j'avais eu, quelques jours auparavant, en deux circonstances, l'occasion de m'interroger sur les moyens qui étaient dont disposait le camp pour faire parler les prisonniers, car j'avais compris, toujours sans que, en interprétant des signes et des messages, essentiellement provenant des gardiens, qui m'ont d'ailleurs, en dépit des ordres qu'ils avaient reçus, pratiquement tout dit, j'ai su que nous n'étions pas loin de Liang. Ils en parlaient entre eux. J'ai su que les prisonniers étaient frappés. L'autorisation de me laver le premier jour a été reconduite et il fut acquis que je sois en mesure de prendre un bain tous les soirs. Au cours d'une de ces baignades dans une rivière qui ne faisait pas plus de 30 cm de profondeur, et quoi qu'elle en soit, c'était une rivière d'eau claire, j'ai été amené à gravir la berge opposée sur quelques dizaines de mètres et j'ai vu une cabane dans laquelle, ou devant laquelle, j'ai eu assez d'audace dont je me suis approché. J'ai vu qu'il y avait une barre verticale en bambou assez épais avec des anneaux en rotin que j'ai tout de suite interprété comme étant des liens qui étaient destinés à retenir des poignées. Et puis je suis vite reparti, mais j'ai gardé ce souvenir-là. Et un autre souvenir, en revenant de mon bain toujours, c'était à peu près le seul moyen d'avoir un champ visuel différent de celui auquel j'étais autorisé par la longueur de ma chaîne. Je suis tombé sur un prisonnier, un ancien prisonnier, disons un prisonnier qui était déjà là depuis suffisamment longtemps pour être toujours prisonnier, c'est-à-dire pour partager le sort des autres, mais ne pas être astreint à l'enchaînement, à la tâche quotidienne permanente. Et il était en train d'affûter une tige de rotin. Et en passant à côté de lui, je lui dis, « Mais camarade, qui c'est que tu vas frapper avec cette tige de rotin ?» Et le malheureux m'a regardé en me disant, « Mais non, c'est pas moi qui frappe. »
Tu penses bien que c'est pas moi. J'avais pas du tout l'impression qu'il était justement en train de fabriquer une baguette de rotin ou une verge. Et c'était avec ces deux observations que ce soir de Noël, j'ai demandé à Dout. Mais qui c'est qui frappe? À me répondre que cela lui arrivait de frapper les prisonniers dans la mesure où il mentait et où les dépositions qu'il faisait étaient contradictoires, que le mensonge l'insupportait, que ce travail je ne me souviens pas des termes exacts, mais peut-être ce travail de Zévonir, mais que c'était celui de sa responsabilité et que c'était ce que l'Anka attendait de lui. Ce travail correspondait à ses fonctions. J'ai été effrayé. Et je pense que cet événement qui fut un événement pour moi fondamental est à l'origine d'un long travail qui a eu en moi je dois dire, monsieur le juge, que j'étais jusque-là assez rassuré. Je considérais que nous étions, que j'étais du bon côté de l'humanité et qu'il existait des monstres auxquels, Dieu merci, je ne pourrais jamais ressembler et qu'il y avait une différence d'histoire, de sensibilité, qu'il s'agissait d'un état de nature, que tout le monde ne pouvait pas l'être, que certains laissaient comme cela, et que d'autres ne le seraient jamais. Je dois dire que la réponse de Dout est ce que j'avais perçu à travers lui au fil des interrogatoires. Il m'a fait tomber les écailles des yeux. Ce soir de Noël, alors que je m'attendais, quand il m'a dit cela, à découvrir un monstre humain, comme nous avons l'habitude de le dire, je me suis rendu compte que c'était infiniment plus tragique et infiniment plus effrayant que j'avais en moi, en face de moi, un homme qui ressemblait à beaucoup des amis que j'avais, un marxiste, communiste, marxiste, qui était prêt à donner sa vie s'il le fallait, pour son pays, pour la révolution en laquelle il croyait, et que le but ultime de son engagement était le bien-être des habitants du Cambodge, une lutte contre l'injustice. Et même s'il y avait bien des facilités à travers les clichés qui étaient employés pour décrire le paysan khmer, dont la révolution cambodgienne communiste s'abreuvait, ce paysan khmer était dépeint sous les traits d'un archétype qui avait été créé de toutes pièces. Mais même s'il y avait une naïveté diabolique dans cet archétype, il y avait une sincérité fondamentale de sa part, comme probablement dans celle de beaucoup de révolutionnaires. Et j'avais moi-même à cette époque à Paris des amis qui étaient parfaitement engagés dans cette révolution communiste et qui regardaient d'ailleurs ce qui se passait au Cambodge avec un œil que je trouvais révoltant, mais qui était
aussi justifié à leurs yeux par une fin qui justifie les moyens. Cette fin qui justifie les moyens étant l'indépendance du Cambodge, son droit à l'autodétermination et puis la fin de la misère en fin des rêves. Mais les Cambodgiens n'ont pas été les premiers dans l'histoire des hommes à tuer pour faire vivre des rêves. J'ai donc vu pour la première fois derrière le masque du monstre que j'avais en face de moi, puisque d'une certaine manière il était chargé, c'était sa fonction d'interroger. Pour autant que je l'ai compris, je n'ai pas tout vu, loin s'en faut, mais voilà ce que j'ai compris et je ne peux déposer qu'en fonction de ce que j'ai compris et des souvenirs que j'en ai. Son travail était donc de dresser des rapports sur les personnes qui lui étaient envoyées pour être exécutées. Et je me suis rendu compte dès lors que le monstre en question avait des caractères humains qui étaient bien dérangeants et bien effrayants, et que dès lors je n'étais plus moi-même à l'abri, et que nous n'étions plus à l'abri, et que le pire serait certainement d'en faire de ces monstres des gens à part. C'était donc beaucoup plus compliqué que cela. Je n'ai pas tout formulé comme cela à l'époque. Mais cette rencontre et cette épreuve de laquelle je ne pensais pas sentir vivant, qui a été à l'origine d'une sorte de mijotage à feu doux, et qui, le jour où j'ai appris qu'il était encore vivant, est ressorti, est ressurgi. Car j'ai pensé que s'il y avait une chose à dire, c'était que, d'autant plus qu'entre-temps, l'horreur des crimes de Tucson s'ajoutait à la gravité des faits de M13. Et j'ai pensé que donc s'il y avait une chose à dire, c'est que j'avais rencontré ce jeune homme à l'époque où il était un révolutionnaire en herbe, qui avait reçu progressivement au milieu des siens, sous le regard des siens, une mission qui s'en était acquitté d'une manière effrayante, mais avec un grand sérieux, toujours dans un but d'accomplir sa fonction. Et que dès lors, il était bon de faire savoir qu'un tel danger n'était pas le fait d'un monstre à part, mais provenait d'un homme qui ressemblait aux autres. Et je me suis rendu compte qu'il fallait aussi distinguer ce que l'homme fait de ce qu'il est. Et je me suis rendu compte aussi que être coupable de ce qu'on a fait ne doit pas intervenir sur ce que l'on est. Mais je crains avoir aussi compris que la situation dans laquelle il se trouvait ne lui permettait pas de faire marche arrière. Pas seulement par crainte de mourir, ce qui n'aurait pas manqué, mais simplement parce que sous le regard des autres, par rapport aux engagements qu'on a pris, quand on entre dans le maquis, on est dans un groupe, on est dans une famille, et c'est certainement extrêmement difficile d'en sortir. Le piège s'était fermé sur lui. Et c'est cela, aujourd'hui, qui continue à me faire trembler. Monsieur le juge, j'ai terminé ma déposition. មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំហើយតទៅនេះអស់លោកលោកស្រីជាក្រុមតើមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់
Merci pour votre témoignage. Je vais essayer de vous poser un certain nombre de questions pour préciser sa portée. Tout d'abord, concernant les faits et le camp lui-même, vous avez indiqué que, à votre avis, il y avait environ entre 40 et 50 détenus. Est-ce que vous avez relevé si ces détenus venaient de catégories particulières de la population cambodgienne? Est-ce qu'il s'agissait plutôt de prisonniers de guerre, plutôt de gens de la campagne, de gens des villes? Est-ce qu'il y avait beaucoup de changements dans cette population? Est-ce qu'il y avait des arrivages, même si le terme n'est pas très élégant? Est-ce qu'il y avait des nouveaux arrivés? Oui, effectivement, je pense que c'est autour de 50 personnes, en tout cas au moment où j'y étais. Et je n'y suis resté que 3 mois. Ce que j'ai pu voir de ce point de vue me faisait comprendre qu'il s'agissait beaucoup plus de paysans sous contrôle, qui habitaient des régions sous contrôle d'Ekmerouch. Les arrivages, pour reprendre votre terme, monsieur le juge, excusez-moi, donc les arrivées de nouveaux prisonniers, la plupart du temps, étaient des prisonniers qui venaient seuls ou accompagnés, éventuellement, comme je me souviens, cet homme qui était venu avec sa petite fille, ou qui arrivait par deux ou trois, et cela venait probablement des mêmes zones. Le problème était, je pense, sur les zones, la partie frontalière entre les territoires contrôlés par les Khmer Rouges de cette région militaire du sud-ouest, qui était vraiment un bastion, et puis les zones qui étaient en contact avec les régions dites contrôlées par les gouvernementaux. Et il semblerait que M13 était déjà, sans en être sûr, mais orienté vers une sorte de police de sécurité du contre-espionnage. Enfin, en tout cas, l'essentiel était presque toujours des gens qui avaient été trouvés dans une zone où ils n'étaient pas connus, où ils ne pouvaient pas donner d'explication sur leur présence. Alors que, et donc, beaucoup de gens qui faisaient un peu de trafic entre les deux zones ont pu tomber sous cette définition d'espionnage. D'autre part, quand j'ai été témoin d'une arrivée de militaires qui était arrivée le soir au moment où quasiment la nuit tombait, ils étaient pieds nus, ils étaient une quinzaine ou une vingtaine, oubliez peut-être même plus, une trentaine. Et ça avait mis le camp en émoi parce que rien n'était prévu pour les accueillir et le camp, leur destination avait été en quelque sorte, elle était inattendue et elle n'était pas bien orientée. Et ils sont repartis le lendemain, ils ont passé seulement une nuit. Je pense que le camp de M13 n'était pas un camp où on recevait les prisonniers de guerre. Vous nous avez exposé la situation qui vous avait été réservée. J'aimerais que vous nous donniez un peu plus de détails sur la situation de vos autres congénères, pour reprendre l'expression que vous avez vous-même utilisée. Vous avez dit qu'ils étaient entravés, qu'ils avaient des pieds dans des étriers. Est-ce que vous pouvez nous dire
quelles étaient les conditions d'hygiène dans lesquelles ils pouvaient vivre, comment ils pouvaient satisfaire leurs besoins naturels, est-ce qu'ils avaient la possibilité d'effectuer une toilette, est-ce qu'ils avaient également de quoi se nourrir. Tous les prisonniers, sauf François Bizot, quelques rares exceptions, avaient une jambe entravée par un étrier qui glissait sur une tringle commune. Chaque baraquement dans le sol, dont le plancher était peut-être à 80 cm du sol, pouvait recevoir autour d'une vingtaine de prisonniers, 15, 20, peut-être en serrant plus. Il y avait trois baraquements, et un des baraquements était plutôt réservé aux malades. Et donc, c'était surtout deux baraquements qui étaient remplis de prisonniers. Enfin, de la surface était pleine, était comblée. En ce qui concernait l'hygiène, il n'y avait aucune possibilité pour aucun prisonnier de se laver en dehors de cette possibilité au moment où il pleuvait, et c'était le cas quand j'y étais, d'utiliser les bambous réservés pour l'urine. Il y avait des bambous, c'est des gros bambous qu'on trouve dans certaines forêts cambodgiennes et qui peuvent être utilisés comme des grands gobelets avec lesquels d'ailleurs on récolte le sucre des palmiers à sucre. C'était ce type de large bambou qui était employé et qui était suspendu à aux deux extrémités de chaque baraquement, en sorte que les prisonniers puissent uriner sans déranger personne. Pour s'alléger le ventre, c'était un autre problème. Et chaque prisonnier évoquait avec épouvante l'expérience qui était d'aller utiliser les feuillets. Il s'agissait d'un trou empli de matière fécale, éclairci par les coulées de boue, à la fin duquel le prisonnier devait se battre un pied sur chacune des planches qui avaient été mises en travers de l'orifice du trou. Et le trou faisait peut-être 1,50 m de large. Et la crainte d'y tomber faisait épouvanter tout le monde, d'autant plus que je crois que l'expérience s'était déjà produite. La nourriture, qu'est-ce que vous nous en dites? La nourriture était distribuée deux fois par jour. Elle était composée d'un riz succulent, pilé le matin même par quelques-uns des prisonniers. Par deux prisonniers, si j'ai bonne mémoire, qui bénéficiaient de ne pas avoir à être entravés sur la réserve de riz que les paysans du village voisin, Totmoako, nous apportaient.
Ce riz était succulent, je le répète, en tout cas j'en ai ce souvenir, mais j'ignore si c'est la faim ou si c'était vraiment la qualité du riz qui m'a donné ce souvenir. Mais c'était la seule chose, le riz était à volonté, ou en tout cas l'assiette était une assiette de riz pleine, mais il n'y avait rien d'autre. C'était le même régime alimentaire pour tous les détenus ou vous pensez avoir eu un traitement de faveur? Moi-même, j'allais le rajouter, M. le juge, j'ai bénéficié d'un traitement de faveur. Si j'ai bonne mémoire, à partir du moment où Doute a considéré que je n'étais pas coupable des accusations qui étaient portées contre moi. Et pour me garder en bonne santé, j'ai eu la possibilité de partager la soupe des gardiens. Mais en ce qui concerne, en dehors de mon cas, le régime des prisonniers était le même pour tout le monde. Je précise que la soupe des gardiens était un repas extrêmement frugal. Monsieur le Président, est-ce que vous souhaitez que l'on fasse une pause à cet instant de l'audience? តឡាកាសូមអញ្ជើញសាក់សីទៅកាន់បន្ទប់រងចាំនិងសូមអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកវិញតាមម៉ោងកំណត់ សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ please stand up